strive to fight. Fight, never weary, I wanna be legendary. Les amis, comment allez-vous? C'est Super Couscous, bonne année 2024 à tout le monde, santé et bonheur. On est là aujourd'hui pour la partie 2 avec le frérot. Qu'est-ce qui se passe mon bro? Il est venu aussi avec sa petite copine. Salut. Les bébés aussi, mais les bébés ils seront pas dans la voiture tout le long de la vidéo. Non. Non, je vais attendre ici. Exactement. Sinon, à part ça, qu'est-ce que ça raconte? C'est quoi les objectifs cette année, bro? Les objectifs, il y a des petits objectifs qui se font en ce moment, là, des petits rajouts qui se sont déjà faits. Sinon, au courant de l'hiver, des belles petites surprises qui s'en viennent que je dirais pas. Allez voir sur Mais c'est comme la première vidéo qu'on a faite ensemble, nous parler de plein de surprises. Là, on va voir s'il y a tenu parole. Là, ce que je vois de l'extérieur, il y a beaucoup de choses qui ont changé, bro. On va faire le tour et je veux que tu m'expliques toutes les modifications qui ont été faites à propos Vas-y. Ça, on peut appeler ça un éléphant, une girafe, une baleine. Yo, c'est un mammouth. Un mammouth? Ok, montre-nous qu'est-ce que t'as fait au mammouth, mon bro, man. Mais, for real, on commence par le devant. Le devant, ouais. Le devant, là, c'est pas terminé encore. Je t'en laisse parce qu'il fait froid, là, t'sais. Ouais, ouais. Prochaine étape où j'enlève le bumper pour coller ça comme du monde. Mais, j'ai des scoops 4-pack dans la grille. Ça, c'est pas le genre de truc pour faire rentrer plus d'air pour les turbos ou un bail comme ça? Ouais, normalement pour le 4-pack. Pour okay. Le Durang, ils vendent juste la grille décorative, mais tu sais, moi j'ai juste acheté les inserts que j'ai coupé ma grille parce que sinon c'est fucking 500 US pour le. Tu sais. Ouais, cher. Tu sais, quand t'es capable de te débrouiller, tu le fais toi-même. Ouais. Qu'est-ce que t'as rajouté de plus encore? Après ça, la belle petite clip en avant. Exactement, moi c'est ça qui a capté mon attention. Yo, bro! Cette lip là, elle donne un côté agressif au véhicule. Yo bro, on dirait le piéton qui marche à côté là, il peut se faire découper les pieds. Bro. Yo, c'est pre-cut avant de pogner le bumper. Mais c'est ça, c'est un petit rappel avec le diffuseur en arrière que vous avez déjà vu back then, mais vous allez revoir parce que là il est bien peinturé et tout. Mais là, le plus important c'est là, c'est le moteur. Qu'est-ce qu'il a le moteur? Montre-nous ça frérot. Ah il est trop beau ce Durang. On devrait. Il est trop beau. Ça va pas être une vidéo qui va être super longue comme la première parce que l'intérieur et tout, tu vois, on a déjà passé à travers. Sinon ça l'a changé un peu. C'est un peu plus dur parce qu'on est l'hiver. Oh mon dieu. Ben vous vous rappelez c'était rouge? Ouais. Là c'est gris. C'est gris avec des taches. C'est gris avec des taches. Ça va encore rechanger. Pour quelle couleur? Carbon fiber. Ok, là je suis en train de réchauffer ma main, ça fait du bien. Yo bro, il fait tellement froid. Sinon, on a une belle entrée d'air, la plus grosse qui se fait pour lui. Ah bah, mec bro. Bro, ta tête à l'air. Ça, K&N, ça c'est 20 HP minimum gagné là. C'est 25 HP juste là. Fuck. Gros, ça. Reste là, tu vas comprendre. Respirer. Yo bro, c'est solide. Sinon, c'est une dinguerie. À part la peinture, le intake qui a changé, ici en dessous de cette cape là, il y a l'ordinateur. L'ordinateur a été complètement changé et débarré. Débarré, ça veut dire quoi? Ça débarré, ça veut dire c'est la liberté. T'as plus de menottes. Ah. C'est fini. Il est plus dans le gel. Ça veut dire, attends, top speed avant débarrage, c'est combien? 190. 190 après débarrage? Bonne question, j'ai pas été jusqu'au bout. Le plus haut que ça a été? On peut-tu vraiment dire ça en vidéo? Donne trois chiffres. 2, 2, 4. Ok, 2, 2, 4. Anyway, vous allez voir dans le dash tantôt. Oh mon dieu. Tout a été fait sur circuit. C'est une dinguerie. Je vais juste faire un tour vite fait. Les gens, vous le connaissez déjà, ce mammouth. Oh, je suis toujours en amour avec ces mags, bro. C'est violent, bro. Et ça aussi. Ça, là, tu les vois, ils sont sur les mags d'hiver. Fait que les mags d'hiver, ça veut dire qu'ils iront plus l'été. Fait qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent là. Ok, ça veut dire. Yo bro, ça veut dire tu penses qu'il y aura une partie 3? Ça va valoir la peine ou pas? Ouais, ça va vraiment. Ouais. Regarde. Il y a les roues qui changent. Il y a quelque chose qui se rajoute. Ouais. Au-dessus des roues, tu comprends que je veux. White dire? Body? Si. Ok. Mais je dis pas lequel parce qu'il y en a plusieurs, mais. Quelque chose que, genre comme d'habitude, exclusif, comme c'est toi t'aimes faire. Je vais être le premier au Canada à l'avoir. Premier au Canada à l'avoir?
premier au Canada à l'avoir. Ok, ok. Et ce soir, il va faire. Ça, c'est moi qui la jette. On fait un ciel étoilé. Un ciel étoilé? Ok. C'est nous qui le faisons nous-mêmes. Okay. On défait. Yo, la vidéo que j'ai postée il y a comme quelques jours, là, tu iras voir, c'est une Infiniti Q50 ouais. avec un ciel étoilé. Je l'ai vu. Mais malade. Ça, moi, je vais commander stock sur Amazon, je le fais moi-même. Ok. C'est minimum 2000 trous, faut que je perce mon. Yo, ça va être la merde, mais bon. Tu vas avoir du la passion, man. T'as de la chance, man. Même ta femme, elle est passionnée de whip. Ouais, c'est grâce à moi. Ah même, ouais. Il y a juste les bébés qui trippent plus, là. Donc là, vous voyez, oh, il a enlevé le gros sticule qu'il y avait sur la vitre, là. On l'a remplacé. Okay. Nouveau sponsor. Aux performances. Aux performances, vous présente aujourd'hui une des nouvelles. Puis nouveau sponsor pour aussi les produits. N'hésitez pas. Ça, c'est des produits de quoi? Des produits pour les véhicules, okay, intérieur, okay. Extérieur, il y a de okay, tout. Okay. Il y a de tout. Et aux performances, qu'est-ce qu'ils nous en fait? Montre-moi ça, ils en fait quoi? Aux performances? C'est ça. C'est quoi ça? Ça, c'est une... Attends, montre. Ouais, ouais. Oh, en plus, tu l'attaches à ta main comme ça. Oh, shit. Ça, c'est une petite télécommande magique. Okay. Cette petite télécommande magique-là, pèse sur une. Je pèse sur une? Ouais. Attends, on va peser sur une. Ok, fais-moi un rave sur off et après je vais le mettre sur on. Je vais écouter ça. Yo! Ça c'est off. On, c'est parti. Attends, il va s'en venir et c'est ouvert. Le jour et la nuit. Bon, on va mettre ça sur off. Ouais. Yo, bro, il boit. Yo, check ça, bro. Yo, regardez comment il boit. Quand le Saint-Lit, yo, embarque. Non, c'est malade. Mais, ok, mais dynamique auto-performance, je les connais. Ouais, eux autres, eux sont nice aussi. C'est nos potos à Montréal-Nord. Eux sont nice. Eux autres. Ils sont dans la rivière. C'est proche du Nord. Ouais, ils sont dans Bourassa. C'est half and half. Ouais, half and half, exactement. Mais tu sais, ça, c'est les bons potos. Vous avez, n'importe quel whip, vous le ramenez là, ils peuvent vous aider. Ouais, non, je sais, j'ai modifié plusieurs autos là-bas. Là. J'adore le spot. For real, c'est ça. Puis auto-performance, c'est pas juste des valves exhaust en stainless. C'est tout. Les LED, les costumes intérieurs pour les LED, les celles de toit, il fait tout le gars. Il peut installer vos pièces de performance si vous n'êtes pas capable de le faire. C'est un gars super sympathique, allez l'écrire sur Instagram. Le gars est super sympathique. Nice. Yo bro, le whip est malade. Le diffuseur est agressif. T'as-tu vu? Maintenant il colle un match. La petite pièce en arrière. Ah ouais, c'est vrai, quand on parlait la dernière fois, elle était quelle couleur déjà? Elle était blanc. Mais tu veux-tu te dire l'histoire du pourquoi? Pourquoi? L'hiver passé, je me suis fait smash dans un parking de Walmart pendant que je suis allé magasiner. Fait que. Est-ce que tu l'as vu la personne qui t'a smash? Le crétin a fait de la drift. Fait que le côté passager au complet, il a été repeinturé à neuf. Puis j'ai fait peinturer ça en même temps. Tu l'as dead. Mais non, bro, c'est magnifique. Le whip est magnifique. Est-ce que c'est moi ou t'as teint aussi ça? C'était ouais, pas teint avant. J'ai teint avec. C'est du plastidip, ça, ouais, ça paraît. C'est du plastidip pour ouais. Temporairement. Cet été, ils vont te rapper. Puis sinon, t'as une place pour les rapper? Sinon, tu peux venir au garage du petit frère. Ouais, c'est ça qui va arriver d'après moi. Ça me dérange pas. Sinon, désolé du bordel, les enfants. Sinon, beau petit commencement de valise. Beau plancher. Oh, solide. Yo, plywood 3 quarts, plus un vinyle. Yo, t'es quelqu'un de débrouilleur, hein? Tu te débrouilles avec tes mains, non? Je fais tout moi-même, je travaille sans construction, fait que pas le choix. Ok. T'sais, il y a de la place pour les enfants. Désolé du bordel aussi en même temps, mais t'sais. Non, c'est un beau véhicule, bro. Yo, bro, tu l'as modifié à ta sauce, c'est la passion. C'est juste le début. Yo bro, j'ai déjà hâte à la partie 3 quand il va être finalisé là. Oui, c'est pas finalisé à la partie 3. Ça c'est l'esthétique va être finie. Ben, fini pour l'instant. Ok. Après ça, c'est le horsepower. Ok. On va le réveiller pour de vrai. Ok. Mais, un affaire je peux te dire, c'est que dans une semaine ou deux, il n'y aura plus de catalyseur. Puis d'ici un mois, j'ai une tube custom. Fait que là, quand je vais l'écraser, il va aller se péter dans le 10 au fond, puis il va faire du feu aussi. Wow!
Waouh, il est, non pour de vrai, il est incroyable. Toujours aussi beau l'intérieur, ça avait il déjà. J'ai acheté des petites LED aussi, il y a juste côté là qui a chié, mais sinon. Ah, c'est ma faute avec mes pieds. Avec, avec tes pieds. La colle a pas tenu, mais sinon. C'est pas grave. Non, toujours aussi, aussi beau, bro. Tu t'en rappelles? Ça sent bon en plus. Merci. Mais tu te rappelles la putain de page performance? Ouais, je me rappelle. Maintenant, elle fonctionne. Ah ouais, c'est vrai, elle marchait pas avant. Parce qu'avant, c'était juste en anglais, maintenant, elle est en français. C'est quoi que t'as fait pour l'arranger? Ils ont juste fait une mise à jour. Ah, oh, c'était une mise à jour de logiciel, c'est tout? Mais c'est parce que ça faisait genre 5 ans que tout le monde attendait chez Dodge pour que ça soit n'importe quel whip performance chez Dodge, l'IRT, l'ISRT, ils l'avaient pas en français. C'était juste en anglais. Ok, ok. C'était con. C'était juste con. Non, très très beau. Les gens, si vous voulez voir vraiment l'intérieur plus en détail, allez voir la partie 1. Hein. Je vais vous mettre le lien dans la description aussi, comme ça vous pouvez aller voir. Pour l'instant, il n'y a rien de nouveau, mais il y a du nouveau à venir. Donc là, il nous reste à aller faire le petit tour, aller voir ça. Mais d'abord, il faut que toi, tu restes au chaud avec... Avec les bébés. Ouais. Je vais te prêter le véhicule qui est là. Au moins, tu peux te mettre au chaud. Je vais le laisser tourner. Tu pourras rester au chaud. Ouais. Parce que pas de vitesse avec des enfants à bord. Tolérance zéro. Moi, j'aime pas ça. Juste l'allumer comme ça. Voilà. Comme ça, moi, tu peux rester dans l'auto au chaud. T'inquiète. Voilà. Nous, on va aller faire un petit tour en attendant. Ça, vous allez l'avoir. C'est la, ça va être la prochaine vidéo. Location royale, guys. Si vous avez besoin de louer des véhicules exotiques de ce type, location royale. C'est parti. Ils vont déposer l'équipe de foot et nous on va partir sur un petit tour parce que comme je vous dis les gens, pas de vitesse avec des enfants à bord, c'est très très dangereux, faut prendre ça au sérieux, vous comprenez. Au moins madame va rester avec les enfants dans le véhicule le temps que moi et monsieur on va faire le petit tour. La patience, ça a pas de prix, ça a pas d'âge. Et regardez moi ça, c'est une dinguerie. Ok, il a même teinté ici les lumières. La belle sortie d'air, massif. Ok. C'est l'heure de vérité. Véritandish. C'est l'heure de Véritandish. Oh, bro. J'ai même mis le chauffeur parce que j'ai Bro, ma ceinture de sécurité avec toi, bro. Moi, j'ai espoir, même. Les gars, comme je te dis, vraiment les trucs performance, le dyno moteur, il y a tout. Force G. La force G du véhicule. C'est de la dynamique du véhicule, ça dit tout en temps réel. C'est ça qui est incroyable. Beau, c'est de l'art. C'est trop beau. Puis, tu sais, comme que je te disais tantôt, menu RT. Mais le plus important maintenant, c'est quoi? On reste pour une petite drive. Une petite drive? Vas-y, c'est parti. Tu te rappelles la dernière fois, tu trouvais qu'il gueulait? Ouais. Ouais. C'est incroyable. Ah ouais, à ce point? Ouais. J'ai hâte de voir ça, même. J'ai hâte de voir ça. Ok. Oh! Là, t'as ouvert la valve? Il est ouvert depuis tantôt. Ok. Quand je roule normal, même quand il est ouvert, ça fait pas de Yo, coup. Mais attends, laisse-moi écouter. Oh, il est fâché, il est pas content. Ah! Ah! Puis tu vas voir, tu vas plus coller dans le siège aussi. Ah ouais? God! Je voulais pas faire ça. God. Ok, bro. Ok, bro, c'est parti. Montre-nous ça. Yo! Yo! Ok, yo, c'est officiel. Il tire plus que quand tu me l'as emmené la première fois. Yo, yo, vous avez pas idée combien de tonnes ça pèse ce truc. Mais on dirait qu'on est dans une voiture toute légère, c'est pas normal. Waouh. Dinguerie. Purée de merde. Yo, bro, le sang est sec.
Oh, oh bro, c'est une dinguerie, c'est malade mental. C'est le jour et la nuit. Non, non, il y a une différence, frérot, c'est une dinguerie. Puis encore là, il va y avoir une autre différence bientôt avec la... Parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que les tunes de base pour Dodge, c'est toutes des affaires qui viennent des États-Unis, de la côte de la Californie. Ça a été tuné au chaud. OK. Moi, j'ai un tuner ici, il va me faire une tune froid. Yo, bro. Qui est adapté pour le froid. Yo, bro, est-ce que tu peux me rendre un service? Oui. Je vais descendre et tu vas nous faire une ligne. Je vais la filmer de l'extérieur. La même rue que l'autre fois, dans le fond. Comme tu veux, bro. Parce que ça, c'était une belle rue pour faire un pool. Ouais, parce que t'avais le temps de traverser, le temps que j'en viens de te refaire un deuxième pool. Ça, c'était parfait. Puis, tu sais, vous, dans la vidéo, vous l'entendez d'une façon. Mais en vrai, c'est genre... Tu l'avais vu, la vidéo que je t'avais envoyé en privé. Ouais. C'est quelque chose. Mais... En réalité, c'est juste des mille. Fuck, bro. Quel véhicule incroyable pour de vrai. Tu sais que moi, d'habitude, j'aime pas les Durango. Tu m'as fait tomber en amour avec ce véhicule-là, bro. Je te jure, parce que je me dis c'est trop gros, c'est too much. Mais non, même pas, bro. T'es imposant sur la route. Yo, bro, y'a personne. Waouh. Gros, moi, pourquoi j'ai fait la vidéo avec toi, c'est quand j'ai vu que t'avais fait avec le Explorer ST. Ouais. Fait que là, moi, j'ai fait... Attends, m'a te montrer une vraie whip américaine. Un Ford, ça reste un Ford. Oui, ça marche, mais... La rivalité Ford-Dodge, man, ça changera jamais, ça, bro. Moi, je te... Tu sais, c'est Mopar ou no car. Mopar ou no car, ah ouais. C'est Mopar gang. C'est ça. Toi aussi, t'es pas un gars de turbo, t'es un gars d'atmosphérique. Yo, c'est... T'es encore là? Atmosphérique ou supercharge? Ouais, mais... Ça, c'est l'affaire éventuellement. Mettre un supercharge toi aussi là-dedans? Bro! L'été prochain, si tout va bien, avant de commencer le moteur, je mets ça sur des bagues pour le dropper, comme que je veux. Après ça, je commence, j'enlève tout ce qui est la partie haute du moteur pour la transférer la partie du 6.1. Comment on pourrait dire, du L4. Fait que yo, je vais avoir... t'as des grands projets pour ce truc, man. Yo, tu l'adores, hein, ce véhicule, tu l'aimes. Hein. Yo, je suis pas... Tu sais, quand t'achètes un véhicule, tu le mets à ton goût. T'sais, si t'aimes les véhicules, là, t'as pas le choix de le mettre à ton goût. Là. 100%. Puis, tu sais, c'est le fun. 100% d'accord avec toi, frérot. 100%. 100%. Mais là, je te dis, tu vas te... Alors, je vais descendre, tu vas nous faire cette jeune ligne, bro. Ah. On va regarder ça, man. Tu vas même avoir le temps de traverser. Ok, yo, il y a les mêmes speakers que dans les BMW, j'avais oublié, les Harman Kardon. Yo, c'est les meilleurs. C'est quasiment comme du Bose. C'est un excellent son. Non, c'est meilleur que du Bose, pour moi. Même. Moi, je trouve. Puis c'est même mieux que Beats que c'était dans le temps. C'est parti. Tu nous montres ça? For real, for real? Yeah, for real, for real. For real, for real. Wow, quel véhicule incroyable. Les gens, n'oubliez pas, si vous avez des véhicules à présenter, on est là pour la passion. Tous ceux et celles qui veulent présenter leur véhicule, vous m'écrivez sur email supercouscousvlog@commercialhotmail.com. Je check tous mes emails. Mon Snapchat supercouscous, mon Instagram supercouscous, le E on le remplace par un 3. Mon TikTok supercouscous, le E on le remplace par un 3. Wow, yo, il s'en vient. Écoutez le bruit. La passion, ça n'a pas de prix. Wow. La patience n'a pas de prix. Wow. Yo. Yo, il fait le même bruit qu'un Track Hawk. J'en ai rien à foutre. Yo. Bro. Yo, bro, ça fait presque le même noise qu'un Track Hawk. C'est fou, bro. Il fait plus de bruit qu'un SRT. Mon beau-père, il y a une Challenger SRT L4 Red Eye, White Body. Ouais.
je fais plus de bruit que lui. Lui est quand même à 900 HP. Là. C'est malade, bro. C'est malade, bro. Fait c'est que le monde qui a des 5-7, votre whip peut fucking gueuler comme un SRT. C'est juste c'est que dinguerie. Faut modifier un peu, mais rendu là, tu sais. Yo bro, si les gens aussi veulent suivre la progression et tout sur tes réseaux sociaux, déjà c'est quoi ton Instagram? Instagram c'est Evil Elephant RT. Puis la même affaire. Evil Baromba Elephant Baromba RT. Puis la même chose sur TikTok. Je suis souvent sur TikTok, je suis souvent en live en train de faire Je vais mettre son Instagram et son TikTok sur la description, les gens, si vous voulez, sur l'évolution de ce véhicule, si vous avez des questions pour lui. Il va vous répondre, n'hésitez pas. For sure. Puis même que la dernière vidéo qu'on a faite, un de tes potos en France qui m'a écrit, il a fait venir un véhicule d'Allemagne, un Durango. Ouais. Puis il a dit, poto, j'ai vu la vidéo, je veux que tu me montres qu'est-ce qu'il faut faire. Fait que chalante à toi si t'écoutes cette vidéo-là. Parce que gros, ses possibilités infinies avec un Durango, quand même. Puis quand on veut, on peut. Intéressant. Non, vraiment, c'est frérot, c'est un véhicule qui est super imposant, super lourd, mais tu sens pas son poids, bro. Non, c'est pas normal. C'est ça que le monde. 7 places en plus. C'est ça que le monde comprenne pas. C'est que sur la route, même n'importe qui, je te dis n'importe qui veut s'essayer contre moi, des petites whips normales, parce qu'ils pensent que je suis lourd. Ils ont tort de vouloir s'essayer. Ouais, mais parce que ça, c'est les autres Durango qui trahissent, qui sont pas RT, là, la gamme en dessous, c'est ça, là, les c'est les ça. Les V6 avec le 3.6. Le Penstar. Yo, c'est de la merde, mais for real, y'a personne. Tu sais, un V6, c'est facile à clasher. Tu dis ciao bye, puis c'est fini. Mais un V8, bonne chance. Non, c'est à la lumière. Okay. Mais for real, c'est impressionnant pour la grosseur. Pour de vrai, frérot, il y a une méga différence avec la première vidéo. Pour de vrai, je m'attendais à une différence, mais pas à ce point. T'as travaillé dur quand même dessus, puis t'as pas fini encore. Non, j'ai pas fini, puis c'est jamais fini. Là, frérot, il faut que tu viennes me voir pour la partie 3, là. La partie 3, je vais te réserver une petite surprise. Ok, je vais te dire un peu maintenant. Ok. Je vais te ramener des gens du club SRT Montréal. Ah ouais, magnifique ça, je suis content. Ça, ça fait plaisir. Tu vas voir Big Daddy Durango, tu vas voir Mommy Truckhawk, puis tu vas voir Charger puis Challenger, les enfants. Tu sais, je peux te ramener du monde qui va te montrer des whips plus impressionnants l'une que l'autre. Yo bro, on est là pour la passion. Mais j'apprécie, merci frérot. Mais c'est for sure, quand tu veux, bro. C'est tout un plaisir, puis vous allez voir, l'évolution, c'est. Tu sais, il n'y a pas eu grand chose pareil depuis la dernière vidéo, quand même. Mais il y en a quand même beaucoup, mais à mon goût, il n'y a pas assez. Mm-hmm. Je comprends. Vous allez voir, là, d'un coup, vous le voyez, prochaine vidéo, ça va être une autre histoire. Sauf frérot, je vais te laisser avec le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as à dire pour finir cette jeune vidéo? Yo, croyant vos rêves, work it out. Puis, tu sais, faut travailler dans la vie. Puis, tu sais, de l'argent est dur à gagner, mais quand on la gagne, faites-vous plaisir. Là. Vous avez entendu tout le monde? Ça fait réfléchir. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée, un bon début d'année à tous. Et on se voit bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde!